everybody, this is Apef News. For this week's video, we'll be taking you to Florimont's very own treasure island. It's a place almost nobody knows about, but today we'll be revealing it to you. So, let's go. Mon rôle à Florimont, c'est de restituer la mémoire des lieux. Florimont a été fondé en 1905 et possède des archives merveilleuses que les missionnaires de Saint-François de Sales ont récoltées pendant toutes ces années. Les archives ont été montées en 2014, mais je suis une ancienne maman d'élève. Mon fils aîné a commencé Florimont en 2001, donc vous imaginez. Oui, le premier trésor a été un Beatus de Liébana du XIe siècle qui a été confié à la bibliothèque de Genève et c'est ce qui a en fait représenté le départ de ces archives, la constitution de ces archives. Après, il y a énormément de choses, mais il faut venir les voir. Je déborde de projets avec les élèves, avec les professeurs. Il y a tellement de matière, il y a tellement de choses à étudier ici dans ces archives. Je vous attends de pied ferme. Par exemple, bah évidemment c'est une école, hein, Florimont. Donc nous avons les registres d'élèves depuis la fondation de l'école. Tu vois, depuis 1905. Non. Donc on a le nom de tous les premiers élèves, de tous les premiers enseignants. Et en fait, ce volume-là est très en fait émouvant parce que ce volume-là concerne aussi la Première Guerre mondiale. Et on sait qu'à Florimont, il y avait des élèves et des professeurs qui sont partis à la Première Guerre mondiale et qui ne sont jamais revenus, qui ont été tués pendant le conflit. Et ça a été en fait une source de grand chagrin ici pour les élèves et les professeurs. Et donc ici dans ce registre sont notés les noms des personnes qui sont décédées pendant la Première Guerre mondiale qui étaient de Florimont.